Nous allons parler culture et éducation. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le dernier paraître fenêtre culturelle pour cette semaine. Mais un grand point pour nous porter pour vous asseoir. Pour marquer la journée internationale traite négrier et abolition, responsable musée Panthéon national haïtien, MUPANA, organisé vendredi 21 août là, dans le Cali, une conférence débat qui déroulait en baptême le rôle d'Haïti face à la mémoire de l'esclavage et de son abolition. Professeur Pierre Buteau et sociologue Kessler Bien-Aimé, ces deux intervenants qui étaient animés des baillots. 13 août 2021, marqué 32 l'année existence, Centre culturel Araka. Pour marquer événement ça, responsable centre l'a organisé un ensemble d'activités culturelles en baptême Coupé Fâché. Exposition photo sous thème Bois Caïman, conférence débat, danse et quelques parmi activités qui étaient animées de journée ça. C'est tout ça que nous allons développer, mais avant, nous prenons une pause, nous retournons pour le développement journal. Béga, entre petit. Ah, ça passe, ça réglé. Ah, ah, on connaît. De nos journal en bas, c'est ouais, qui miracle. Et puis, sorti, m'gras, sorti là, oui. Garde-moi, que je suis béga soumis. Garde-moi, au bel, garde-moi, au bouclé. Et pas avant, il y a tout cas, les voix. Sans te comprendre. Comme si, ou pas contre, c'est sérum nat. Ça, c'est sérum nat là. Bon, moi, je t'ai m'expliqué. Qui t'aime dire, sérum nan, c'est un produit dans la gamme natin qui est très efficace. Qui bon pour tout type d'alopécie ou gain. N'importe côté et j'en cheveux ou manger, y a poussé. Ou besoin de fournir et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nan, l'ikimere. Li sur tout marché, market, pharmacie et même dans quelques studios de Grécis qui est dans Delma 87. Chérie, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chérie. Vous entendez tout le bagaille. On a lâché gamme nat. On a l'aller. Oh! Kasumina le sérum nat. Nous sur télévision nationale d'Haïti, j'en te dis le titre, le rôle d'Haïti face à la mémoire de l'esclavage et de son abolition. C'est sous thème ça, musée Panthéon national haïtien MUPANA organisé une conférence débat dans le jardin MUPANA avant date 23 d'août là qui marquait journée internationale traite négrière avec abolition. Activité ça qui associée à mission Miséa pour rappeler mémoire ancêtre noyo te recevoir professeur Pierre Buteau qui t'a intervenu sur caractère historique mouvement sila qui t'est abouti à gros soulèvement général esclavio dans la nuit 22 pour arriver 23 d'août 1791 dans colonie Saint-Domingue. Et puis, sociologue Kessler Bien-Aimé, lui-même a intervenu sous diverses questions qui liées à l'esclavage en mémoire nationale. En suivant Thibaut dans la conférence. Cette révolution est l'une des plus exemplaires de toute l'histoire de ces sociétés modernes. Exemplaire parce qu'elle est devenue une révolution classique. Classique parce qu'elle obéit en tout point, malgré sa charge d'originalité, en tout point à ce qu'on peut appeler les grands principes qui produisent des révolutions. Parenthèse toujours, peut-être la deuxième. Je disais tout récemment, il y a deux pays qui sont toujours confrontés à la même obsession. Laquelle obsession? Ils ont réalisé deux superbes révolutions, distinctes par ailleurs, parce que deux pays différents, mais proche par la culture, par l'histoire, la France et Haïti, à chaque grand moment de leur histoire. C'est pourquoi souvent j'entends ces propositions assez bizarres qui s'appellent rendez-vous manqué et histoire manquée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et depuis la rencontre de Malraux et de Trotsky, je l'ai appris. La presse française qui est là, à Orly, Malraux, le grand et référent de De Gaulle, qui vient de prononcer ce discours à Jean Moulin, qui connaît le passé, et qui attend qui, le révolutionnaire romantique,
le plus littéraire des révolutionnaires soviétiques, Trotsky. Et la première question faite à Trotsky, mais Trotsky, un homme génial comme toi, comment Staline a pu te vaincre? Ce n'est pas Staline qui m'a vaincu, c'est le moment avec lequel se trouve confrontée la Russie. Nous n'avons pas d'histoire manquée, nous n'avons pas de rendez-vous manqué. Nous avons des moments contraires à nos espérances, à nos espoirs. N'a pas poursuivre avec information yo 13 d'août 2020. Fait 32 l'année, centre culturel Araka a desservi zone métropolitaine. Pour marquer date ça, responsabilité organisé deux journées, porte l'ouvrir jeudi 13 et vendredi 14 d'août là, pour permettre public là apprendre plus sur histoire centre là et puis partager l'idée sous symbolisme bois caïman. Dans l'occasion, collaboratrice non Saïda Antoine a été rencontré coordonnateur centre là, Vanelle Lomini l'a porté plus précision en suivant ça. C'est dans le local Saint-Lan qui établit dans la rue de l'Enterrement depuis 1992 pour aider Timoun et jeunes dans quelques ateliers de danse, écriture, théâtre, coordonnateur théâtre et recevoir nous pour répondre à quelques questions concernant 32 l'année sa yo et jeunes qui sont arrivés dans le poste liant. Araka, pour les gens qui peut-être pas connaît ou bien juste en guise de rappel, c'est A-R-A-K-A, c'est appui pour recherche et animation culturel haïtien. C'est tant qu'on dit le centre culturel qui gagne en bibliothèque la donne et nous dans la bibliothèque là spécialement nous dans espace Timoun et bibliothèque Araka. Si nous avons essayé de retracer parcours Araka historiquement et Araka c'est vrai cet espace là mais son idée que groupe jeunes femmes jeunes garçons qui étaient levés dans zone ça yoté ouais que nécessité pour y arriver font bagarre faut que tu ca regrouper ensemble et yo t'est arrivé faire ça à travers deux activités que tu qu'on offrir avec jeunes qui dans zone en tant que par exemple jeu de correspondance et yo t'est dit que pour qui obligé rester dans question jeu de correspondance est-ce que pas ca aller au-delà de ça fait deux bagarre pour permettre que jeunes y arriver rencontrer et c'est ça qui pral bay naissance avec AAK et yo rendu compte que meilleur moyen pour permettre que jeunes ça y arriver connecter ensemble, gagner un point commun, un dénominateur commun, c'est livre. Et c'est ça que fait, il va créer une bibliothèque. Sans ça, c'est l'initiative Jeune Contemporain 1988 qui a collé les épaules pour le mettre sous pied. Pas qui moyen a été passé pour arriver là. Qui mission li bay tèt li? Ya ka bay tèt li mission, c'est essayer accompagner jeunes sa yo, bay un espace et pour yo capable épanouir et pour yo capable demain vienne de citoyens honnêtes qui engagés à cause paysan et ouais comment yo même yo capable mettre main yo tête yo ensemble pour voir si yo capable changer situation yo. Malgré corona, responsabilité ouvri pendant deux jours sans plan. Yo façon pour yo fêter dans date 13 à 14 d'août là en baptême coupé fâché. Après deux jours ça yo qui objectif yo fixé pour 33e l'an qui déjà lancé. Pour gagner propre source d'énergie nous et arriver renouveler stock et livre m'a dit fonds documentaire espace là et m'a dit à long terme c'est arriver ouais que espace là rive grand monde tête li grand monde tête li ça veut dire arriver gain autonomie économique li. Dans différentes rubriques et tactiques yo inventé ou bien employé pour attirer jeunes yo capable citer signer voyage au bout du monde génie du lire mélanger ak théâtre danse camp d'été Jean attache là d'Ilia yo image pour mille mots pas loin village de Dieu a dans rue de l'enterrement espace ça qui était conservé yon référence pour Timon ak jeunes alentour lia a dé pas fini. En attendant, y aurait l'ouvri officiellement Potio le 18 août là, dans espoir y a continuer. Et voilà, n'a pas poursuivre ak information yo n'a faire connaître Haïti parmi 12 pays qui pral participer dans 3e édition festival Art Vaudou dans pays Belgique et spécialement dans ville Bruxelles dans date 12 à 13 septembre Cap Vinila. Performance artistique, foire gastronomique, danse à conférence débat, c'est quelques parmi activités responsables festival yo prévoit tant main pour 3e édition.
Aider plus moun à découvrir histoire vodoua, changer l'idée moun gagner sous identité culturelle, ça c'est principal objectif festival vodou. Et c'est là prend deuxième pause nous, pas déplacer n'a retourner à l'autre information dans cadre journal culturel. Bega, entre petit. Ah, ça passe, ça réglé. Ah, ou koné, de nan zon nan lamba, se wè ou ki mirak. Et puis, soti mbral soti la, oui. Gade nan gachi Bega soumi. Kachin ou bel, kachin ou boukle. Et pas avant, le datou kade woz. Sante kopran, kom si, ou pa kon serum nat. Sak serum nat la. Bon mwen, chita m'explique ou. Kite m'dir, serum nan, se yon produit nan gam nat lan ki trez efikas. Ki bon pou tout type d'alopeci ou genye. N'importe kote, et jan cheve ou manje, yap pousse. Ou bezwen founi, et vini rapide tout, pas hésiter. Serum nat, li ki mire. Li sou tout marché. Market, pharmacie et même dans quelques studios de Grécis qui sont dans Delma 87. Chérie, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chérie. Vous entendez tout le bagaille. On a lâché comme ça. On a l'air. Oh! Kasumi, on a l'air. C'est Rome, Nat. Merci parce que toujours branché nous dans le journal culturel, la fenêtre culturelle, on a brassé information culturelle. On a fait connaître intelligence artificielle et open data en milieu entrepreneurial. C'est un baptême ça, réseau des jeunes bénévoles classiques des sciences sociales, a lancé 4e édition l'école été numérique Haïti, sorti 24 pour arriver 29 d'août 2020. Dans ce sens, responsable lancé une nouvelle plateforme qui pral permettre plus monde apprendre sous intelligence artificielle, éthique et justice sociale. L'autre information, Frisco Production, une entreprise qui fait formation pour jeunes, annoncé la pour organiser samedi 22 et dimanche 23 d'août Cap Vinela dans Delma 40, une séance formation sous transformation produit agrochimique. Hand sanitizer, alcool camphré, pinti qui fait à base l'eau, c'est quelques parmi produits. Participants yo ap gen chance pour travailler dans deux journées séminaire ça d'après sa formateur François Frisco fait connait. L'été dans micro Vladimir Dartrois avec Lydie Dieudonné en suivre. On s'est en deux formations sur la fabrication agrochimique que nous avons gagné d'ici 22-23 août qui vient là. Sous peinture à l'eau, ciment cordonnier, hand sanitizer, alcool camphré. Et puis tout, on a fait mélange de couleurs tout dans peinture là. 22-23. Donc si on n'a pas qu'à choix, si on n'a pas 22, capable 20-23. C'est le même type de produit que nous avons dans deux jours. 22 ou 23. Il a choisi un jour qui est bon pour vous. Samedi, on a commencé de 9h à 4h. Puis dimanche, ça commence 10h, 5h. Delma 40, institution mixte évangélique Kowenski. Dans la rubrique Portrait La Soya, nous allons redécouvrir Michèle Lemoine, une actrice et puis comédienne qui a évolué depuis plus de 30 ans dans le paysage théâtre là, ici en Haïti. On suit ensemble. Toute femme l'a pays, quel marabout, quel mille adresses, quel sénégalaise, toutes ces belles femmes. Pendant 10 dernières années, il est pratiquement impossible pour parler de théâtre ici en Haïti sans pas citer Michèle Lemoine, une figure emblématique dans le domaine. Comédienne et puis metteur en scène, Michèle soutenait et encadrait en pile grand comédien nouvelle génération. Ça. Soit dans offrir un atelier formation ou bien espace pour exposer talent. Dans le travail comme coordonnatrice section culturelle focale. Tu travailles vraiment comme professeur pendant 2 ans dans l'École nationale des arts. Côté ça occupé de cours de théâtre pour des comédiens et après ça donc ça veut dire m'a fait vraiment des ateliers avec Genio et après ça dans 4 fonctions bien en focal job moi c'est à la fois artistique et organisationnel ça veut dire que je suis posé accueillir tout jeune créateur qui besoin créer par exemple une pièce de théâtre. Des fois, c'est simplement
mettez salle là pendant un certain temps à leur disposition pour yo ka répéter, parce que tant répétition, tant travail ça très important, et il est difficile pour joindre un côté pour faire travail ça en Haïti, parce que pas gain pile espace disponible. Et donc diffuser travail yo tout, m'a mettez à disposition salle là, technicien yo, etc. Et puis parfois même accompagner yo, conseiller yo dans le travail y a fait. Engagement Michel dans la société haïtienne a commencé en 2007. Avant ça, comédienne nan tap évolué entre Haïti et pays la France, côté li grandi et puis prend formation dans théâtre. C'est une série de raisons plutôt personnelles qui fait me venir en Haïti, parce que j'ai commencé à travailler en Haïti. J'étais vraiment, que ce soit sur tournage de films documentaires ou bien atelier de théâtre, etc. Et puis au fur et à mesure, moi, ouais, m'a vu en Haïti de plus en plus souvent. Et ce qui fait qu'à un moment donné, m'a fait 6 mois en Haïti, 6 mois à l'autre bois. Et puis, j'ai fait quelques petits travaux pour Focal. Et à un moment donné, j'ai voulu développer un programme culture yo, et yo proposé me vin coordonner problème culturel yo. Et ça c'est un bail qui était encore plus passionnant que ça me t'a fait l'autre bois, et puis m'était déjà très souvent en Haïti, donc tout était histoire la théâtre pas trop différent avec histoire en pile l'autre grand personnalité qui fait non yo dans domaine artistique là. Michel t'a apprendre faire choix avec sacrifice. Quand ça entre 20 à 22 ans, li intégré conservatoire Montpellier pour vivre passion qui c'est théâtre. Yon discipline artistique li découvre grâce à frèl Jean-René Lemoine. J'ai toujours aimé en pile tout ça qui dans le domaine littérature, théâtre, danse, musique. Ça c'est un goût en tant que spectateur, spectatrice plutôt, que j'ai gagné depuis longtemps. Et puis un jour, frèm qui dans le théâtre tout, t'as passé un petit scène dans le conservatoire à côté de l'État à prendre, et puis il m'a demandé pour me venir, pour me balancer une petite réplique. Je me suis dit 3 phrases pour dire. Et puis, je suis venu avec un trac extraordinaire, et puis, je comprends vraiment ça, et que c'est ça que je me suis fait, toujours. Même si j'ai envie de faire, je suis intéressé par l'autre bagaille et tout. Ok. Par le domaine de la littérature en général, on comprend ça qui prend le plus important dans la vie, c'est théâtre. À côté présence li sous scène théâtrale là, Michel impose le tout dans le domaine audiovisuel là. Il réalise plusieurs documentaires qui confirment l'engagement citoyen li ici en Haïti. C'est joint l'occasion pour vraiment garder pays, garder mon lieu. Et si on est tout à fait différent que lorsque vous passez dans Port-au-Prince quelques jours et puis vous sautez en province pour aller amuser. Ok? Et donc, j'ai toujours dit, il faut me faire un jour pour me raconter ça. Et puis, je commence à réfléchir, quel médium va l'utiliser pour me parler de ça. Et puis, le médium là, c'était un film documentaire. C'est comme ça que je fais le premier film. Hein, qui relait Haïti, chronique des femmes oiseaux, et qui parlait de Manon Saray. En réalité, je fais 3 documentaires. Et je participais dans l'autre film, mais pas en tant que réalisatrice. Et je fais Haïti, chronique des femmes oiseaux, ça me fait exciter. Je fais Tchala, l'argent des rêves, qui parlait de phénomène Borlette en Haïti, qui c'est un vrai phénomène de société. Et troisième film là, c'est Kiré les Martissons, le rêve d'habiter. Me fait naissance projet Pâques de Martissons. Même s'il y utilisait documentaire pour éduquer, former à apprendre monde, Michel pas toujours passionné à activité ça. Quelques difficultés l'y contrer sur route, t'es poussé avant de tirer ce chemin documentation. À l'époque, comédien noir, pas de jouer en pile travail, pas de gagner en pile rôle pour yo. Et je dis assez, c'est en bas qui évolue en pile. Mais on tape travail de temps en temps en tant que comédienne, et bon, on a besoin de vivre tant que tout le monde.
Ça veut dire qu'à un moment donné, je commence à travailler pour une société de production audiovisuelle. Je fais une quantité de métiers là-dedans, je m'apprends tout le métier. Je partis d'un bas et puis pour me arriver jusqu'à charger de production. Michel, c'est un monde qui est très exigeant, non seulement avec tête li, mais tout avec monde qui collabore avec lui sous scène. C'est peut-être une raison qui fait travail lié toujours joindre une appréciation grand public là. Après 30 années d'expérience ici en France, réalisation lio poussé en pile monde quoi. L'ap travail pour être immortel dans le domaine théâtre ici en Haïti. Toute femme l'a payé, quel marabout, quel mille adresses, quel sénégaise, toutes ces belles femmes. Nous arrivons dans la fin du journal là. Merci parce que t'as suivi. Avant nous aller, quittez nous rappeler au grand titre, nous t'es poté pour asseoir. Pour marquer Journée internationale traite négrier et abolition, responsable musée Panthéon national haïtien, MUPANA, organisé vendredi 21 août là dans le Cali, une conférence débat qui déroulait en baptême le rôle d'Haïti face à la mémoire de l'esclavage et de son abolition. Professeur Pierre Buteau et sociologue Kessler Bien-Aimé, ces deux intervenants qui étaient animés des baillots. 13 août 2021, marqué 32 l'année existence, Centre culturel Araka. Pour marquer événement ça, responsable centre l'a organisé un ensemble activité culturelle en baptême Coupé Fâché. Exposition photo sous thème Bois Caïman, conférence débat, danse et quelques parmi activités qui étaient animées de journée ça. Et voilà, toujours songez branché télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Et avant nous aller, nous rappeler que c'est Odyssée qui coiffe nous. Nous invitons à passer dans Odyssée qui trouvait le nom d'Elma 19 complexe RNC. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle édition Fenêtre culturelle.